Le problème dans cette affaire, c'est de constater la méchanceté et l'hypocrisie. La fille qui parle, elle dit, on m'aurait dit, si Aïcha Tremblay est enceinte de Sidiki Diabaté, qui a déjà gagné 10 d'or, qui fait spectacle dans la plus grande salle de Paris, dans la plus grande salle du Canada, qui bientôt va organiser le plus grand concert de son histoire en Côte d'Ivoire. Si Aïcha Tremblay est enceinte de Sidiki Diabaté, j'ai le plaisir de vous informer que Aïcha Tremblay ira au paradis sans passer par la mort. Sa vie est sauvée. Il y a des gens, quand tu as leur enfant, tu enseignes d'eux là, ton avenir, l'avenir de ton enfant. Vaut mieux, Sidiki Diabaté, père de l'enfant d'Aïcha Tremblay, qu'un petit artiste soit perdu, couché dans un village précaire, comme étant son père. Vous là, vous ne connaissez pas vos vies. On vous a enceinté. Quand on a vérifié, c'est l'instituteur à la retraite qui vous a enceinté. Aïcha Tremblay, si tu as été enceinté par Sidiki Diabaté, il faut dire merci à Dieu. Il faut garder l'enfant. Il faut venir me voir. Je vais prendre ta main pour t'amener chez le papa de Sidiki Diabaté. Je le connais, c'est mon père. Lui, moi, on s'appelle frère-frère. Ma fille, si tu es enceinte de Sidiki Diabaté, viens me voir. Ton avenir est sauvé. Celui qui a venu te dit, faut enlever la grossesse, il veut te tuer. C'est un sorcier. Ton avenir, je dis, ton avenir est garanti. Il y a des gens, quand tu prends grossesse avec eux, ton âme ira au paradis. Tu es sorti de la poussière. De la poussière, tu es allé à Abidjan. D'Abidjan, tu es allé à Paris. On dit bébé qui est dans ton ventre là, c'est pour la plus grande star africo-francophone de l'Ouest. Sidiki Diabaté, ma petite, tu es sauvée. Je me dis, tu es sauvée. C'est comme si ma fille vient me dire, papa, j'ai dit oui. J'ai dit, il y a quoi? Justine Bieber m'a enceinté. Mais prends tes bagages ensemble, vivre chez lui. Parce que quand tu partais enlever ton caleçon, c'est pas moi qui t'ai envoyé. T'as venu me dire, Justine Bieber m'a enceinté. Qui me vient me dire, papa, j'ai peur de te dire, dis à quoi? Tu as peur de quoi? Papa, je suis enceinte. Qui? Justine Bieber. T'as dit, ma collègue là. Qui? Qu'est-ce que Justine Bieber? Justine qui? Bieber. Le petit canadien là. Bébé qui est dans ton monde là, c'est pour lui. Merci ma fille. Merci ma fille. Hier, je savais qu'il y avait une fille intelligente dans ma vie, ma chérie. On s'en va chez Justine Bieber. Faut pas être hypocrite. Parce que ta colère va rien changer dans le ventre d'un bébé qui est dans ma vie. Je m'en vais chez Justine Bieber. J'ai frappé mon enfant, pourquoi? Je vais accuser. Je vais m'asseoir devant Justine Bieber. J'ai dit, je suis ma consommée, fais vidéo. Si tu ne reconnais pas la grossesse, je vais casser ta carrière. Il va me dire, mais mon général, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse acheter votre silence? J'ai dit, pour acheter le silence de ma fille, pour acheter le silence de ma fille, il faut d'abord une maison à New York, une maison à Paris, et 3 immeubles au niveau de la Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Burkina Faso. Voici ce qu'il faut pour acheter mon silence. Dans cette affaire-là, je peux sortir avec 50 millions de dollars. Il y a des grossesses. C'est pour ça que les femmes ne sont pas intelligentes. Il y a des femmes qui m'envoient des messages. Général, je suis enceinte. Le monsieur là, il a refusé la grossesse. C'est un jeune. Tu es maudite. Tu vas te faire enceinte par un pauvre. Ta maman est pauvre. Ton papa est pauvre. Tu vas 2 fois à l'enfer. Je ne t'ai pas demandé d'aller prendre grossesse. Mais le jour même tu prends grossesse, il faut être sûr que le papa là, il pourra assurer l'avenir de l'enfant jusqu'à la fin de ses jours. Vous allez venir nous parler de Aïcha Tremblay est enceinte. Si Aïcha Tremblay est enceinte, ce n'est pas une femme. Quand on baisse, ce n'est pas une grossesse. Si elle est allée mon goût sans préservatif, elle va prendre une grossesse. En quoi c'est un malheur? Je vois aujourd'hui des gens qui parlent de la grossesse. Vous connaissez le nombre de femmes qui rêvent d'avoir une grossesse? Le nombre de femmes qui sont en train de jeûner, prier pour avoir un enfant? Et vous allez prendre le nom de Sidiki Diabaté pour aller salir dans cette affaire-là. Parce que vous savez, actuellement, il y a un complot contre Sidiki Diabaté.